Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Bah ouais meuf, qu'est-ce que t'as fait? Fallait le buter! Tu butais le jeune, tu butais le vieux. En fait, plus tu passes proche d'eux, plus tu te prends des balles. Donc du coup, faut toujours se slalomer. Du coup, on passe par là, hein. Sympa. What? Oh non, pas le cheval! T'as un pauvre bestiole quoi. Ah ouais, mais là c'est pas possible, t'as vu le bordel qu'il m'envoie? Une balle quoi. Donc on doit aller se casser. On va passer par la fenêtre du coup. Il me faut du soin. Ok, ils ont tous la faculté de s'abaisser pour détecter les ennemis. Il me faut du soin, il me faut du soin, bordel.
trop cher, elle trop cher. Bordel, je viens de la soigner quoi. Ah non, c'est une fille. Donc c'est une fille. Fille de pute. Mais pas un fils de pute. Pas bien de dire ça. Putain, vas-y. Bâtard. Nique ta maman. Non mais mec, tu crois que je vais me laisser faire quand même? Même si je suis une petite fille, hein. Bon, je vais voir si je peux pas me soigner quand même. Ça serait mieux. Ah putain, j'ai plus de soins. Fais chier, j'ai plus de soins. Ouais, je vais prendre la coque. C'est ça qui m'emmerde le plus, c'est le soin dans ce jeu. Parce que sinon, le reste du jeu, il est bien. Ça tombe, c'est les mecs là qui ont niqué les lucioles. Hein. Donc nous, on va se soigner avant de se prendre une autre balle parce que là, c'est, ça serait fatal. On continue de faire le tour de la maison. En même temps, c'est dur de se concentrer là. Alors, j'essaye de pas trop me faire repérer. On sait jamais, normalement il serait plus présent, mais on sait jamais. On vérifie si on peut rien faire d'autre. Une grenade. Ah, moi ça me porte moyen en fait ça. On va aller au burger. On va aller au Burger King, au Burger Quiz. Je m'attendais à avoir mieux, plus de choses. Oh, du soin. C'est bon ça. Voilà.
T'es mort, salope. Enfin, je parle du mec, hein, parce que la fille, ça va, tu vois, elle gère. Bon, maintenant, je suis encore emmerdé avec le putain de soin. Ah, il manque de l'alcool, du coup. C'est bon. On continue d'esquiver. Voilà, la musique elle s'est arrêtée. Donc du coup, je ne pense qu'il n'a plus d'ennemis. Bah après, avec moi, je vais me prendre une balle directe. Je vais être one shot. De découverte. Bon, ça devrait faire l'affaire. Tu l'as vu. Allez, on continue, on continue, on traîne sur ton pas. corps. Ton bas à l'eau. Ton... Oh, merde. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a... elle sait pas nager. En tout cas, comme je te disais, en fait, pour moi, ce let's play, ça a été une vraie découverte. C'est pas un jeu que je me suis dit, tiens, je vais faire ça, c'est un beau nom, je vais faire un let's play pour YoYo, etc. Tu vois, je me suis dit, tiens, au pire, le jeu, s'il me plaît pas plus que ça, je peux vous le proposer en tant que simple. Oh merde. Simple découverte de jeu. Et s'il me plaît vraiment, je peux t'en faire un let's play. Et en fait, ce jeu, j'étais plus parti pour faire une découverte. Ah, je te le cache pas, hein, j'étais parti pour une découverte de jeu. J'étais pas parti pour faire la suite. Hein. Et bah, en fait, plus j'avance et plus je kiffe. Donc, du coup, je pense que même le 2, je vais l'acheter direct. Bah, peut-être pas direct à sa sortie. Parce que je trouve que les prix, c'est abusé. Elle m'a fait tirer ça. Là, je suis un petit peu paumé. Pas par là. Mais comment je fais pour sortir? Ah, j'ai vu le petit trou noir, je fais ah, c'est bon. Bah, attends, comment tu fais pour sortir? Bah, en fait, il y a le tuyau. Ah, je pensais que c'était le tuyau de où on est venu. Bonjour,
On peut toujours pas faire de soins. J'irai bien quand même dans la maison. De toute façon, faut passer dans la maison pour sortir de là. Eh, il marche peut-être, non? Voilà, lui il est tué. Allons voir là-bas. Quoi? À voir là-bas. C'est bloqué cette cabine. J'entends les voix, mais je ne sais pas d'où ils sont. De où elles viennent? Ah, elles sont là. Jusque-là ça va, jusque-là ça va les mecs. Oh putain, je peux pas passer dans la maison. Ah oh, non, ça serait trop beau. Faut que je les contourne tous du coup. Par contre, niveau soins, il va falloir faire quelque chose là. Oh. Je veux pas piéger ici. Non mais pas être piégé, mais trop faire du soin, ça serait bien. Ah, il manque de l'alcool, il manque de l'alcool. Un petit whisky, s'il vous plaît. Où est la sortie? Attends, on va, avant d'aller à la sortie, on va visiter un petit peu. On va regarder si on peut pas récupérer des trucs à ramasser, à loot. On va pouvoir faire enfin un soin. Putain, enfin. Attends, je vais le prendre tout de suite. Je vais le prendre tout de suite parce que là, c'est vraiment important. Voilà, y a rien. Ah, salaud.
les mecs, y'avait personne dehors quoi. Y'avait personne dehors parce que je suis à l'intérieur, c'est mort quoi. Ah! On peut en préparer un, c'est un truc de fou, putain. Aussi bien qu'avec. C'est quoi ça? Aussi bien avec Joël, ça va, tu vois, niveau loot, etc. T'as un petit peu de la marge. Avec elle, c'est mort quoi. Dès qu'elle se prend un truc, t'as plus de vie. Ça va, y a plus rien, y a plus rien sur le comptoir, ça traîne. Ah. Ah non, pas encore toi. Tu te calmes. Tu es en sécurité. T'en fais pas. T'en fais pas. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sais? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Faut tuer pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Et convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide.
Ahmed a te sauvé la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. Aïe aïe aïe, que de rebondissements! Tu vois qu'ils se sont sauvés la life. Et là, maintenant. Maintenant, ils sont totalement ennemis. C'est putain pour un seul cerf, tu vois le nombre de massacres qu'on est obligé de faire. Et en même temps, la fille, elle a perdu son cerf, quoi. C'est nous qu'on s'est s'est cassé la tête à le chasser. Et bah, c'est pas pour notre poire. Alors, lui, j'ai failli l'appeler Franck. Je sais pas pourquoi. Il y a une tête à s'appeler Franck. En même temps, dans tous les jours, après je suis un petit peu dans GTA et tout, donc attends. Ah ouais, niveau arme, c'est bon. Ah ouais, ça nous change quand même, hein. Ah putain, ça fait plaisir à voir. Attends, on va refaire des munitions, on va regarder pour se faire du soin. Soin, on en a plus par contre, hein. Ça, ok. L'explosif, on peut s'en refaire un. Hein. Non, on peut pas. Par contre, le fumigène, on peut. Mais non, c'est bon. Moi, j'aime pas trop le fumigène. Le fumigène, je suis pas fan. Allez, vas-y, vas-y, Jojo, cherche après du chiffon, on va te faire du soin. Ouais, parce qu'on s'est tiré, mais je ne sais pas par où on est passé. Encore plus fort, connard. Merde. Où est-ce qu'elle est? Je n'ai pas vu de où ils ont tiré.